Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 282 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu de course arcade avec un petit vaisseau, vous allez voir, qui s'appelle The Next Penelope, comme vous l'avez vu sur le nom de la vidéo. Et donc ça se joue mieux avec un gamepad, évidemment. On va presser A, on va faire une nouvelle partie, parce que du coup je connais, comme je vous avais dit, cette histoire. Je vais en avant pour écraser les anciennes données, on peut faire qu'une seule partie à la fois. Donc c'est l'histoire de Pénélope. Et c'est un peu l'histoire de Ulysse, hein, on est d'accord, Ulysse, l'Odyssée, voilà. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est Ithac, blablabla, Ulysse attend son machin, 3044, hein. C'est pas du tout aujourd'hui, hein. Disant que le roi Ulysse a pris la mer, blablabla, on voit pas Ulysse. Sauf que l'autre elle s'inquiète. À l'autre bout de la galaxie, il vient d'abattre un de ses fils, blablabla. En plus, je peux pas passer. Ah si, je peux passer. Il faut que je fasse... Ok. Quoi d'autre? Voilà. Donc, il y a Pénélope qui dit, bon, bah du coup, moi, je nique tout le monde. Et je vais me barrer, les aider. J'ai vu sur la piste, j'ai besoin d'instructions de pilotage. Et donc, elle va piloter le vaisseau. Allez, on passe ça aussi. Alors, vous avez deux choix, soit vous jouez à l'ancienne avec droite-gauche sur le classique en mode arcade, soit vous jouez avec les sticks là-haut. Et pareil, c'est beaucoup mieux avec les sticks là-haut. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. On est vu du dessus. Et c'est parti. Alors, c'est par-dessus et je dois échapper à l'autre foireux qui me court après. Hop, il suffit juste de prendre pour l'instant sur ce premier niveau. Alors du coup je vais prendre un peu de recul sur le parce que sinon ça tue les yeux en fait. C'est en très très gros. Hop. Ah je crois que je peux me mettre en maximum en perspective. Soit il n'y a pas de shaders, soit il y a tous les effets actifs, soit en maximum comme ça avec la perspective. Et je vais me mettre en perspective parce que c'est plus sympa à jouer. Voilà, vous voyez, on est sur le côté, c'est plus sympa. Hop là. Donc pour l'instant le but c'est juste d'arriver à la ligne d'arrivée. Challenge, mat, expérience plus 10. Ouhou. Voilà, c'est parti pour la première chose à connaître sur ce jeu, c'est appuyer le smash boost avec l'énergie qu'on a dans la barre qu'il y a, vous voyez en haut à gauche où il y a une barre d'énergie. Et hop, quand j'appuie, ça me permet d'accélérer. Donc si je booste là, paf, je peux casser les cailloux. Ça m'évite de ralentir trop. Ah, on peut jouer avec le stick analogique aussi. Mais je vais peut-être pas le faire parce que je suis vraiment un handicapé avec ça. Hop. Et voilà, alors ça, les petites boules vertes qui clignotent, c'est pour regagner mon énergie. Voilà. Donc ça me permet juste de recharger l'énergie du vaisseau et pouvoir continuer à booster. Alors, succès déverrouillé, mode 7. Ok, j'ai déjà joué, je le fais. J'ai déjà fait ces niveaux-là et j'ai développé. Donc voilà, là, il y a l'autre qui nous dit qu'ils veulent faire leur tournoi. Donc on va participer à leur tournoi. Cette fois-ci, on va être plusieurs. Et donc on gagne un nouvel item, en quelque sorte, on va pouvoir tirer sur les adversaires. Pareil, ça coûte de l'énergie. Ça sera pas forcément utile au début. Et puis après, je sais pas, puisque je suis pas allé plus loin, moi, dans mon test personnel. Alors, premier tour, y a rien. On a aucun bonus, aucun malus, les machins, là, les hop. On peut pas se tirer dessus, y a rien, tout est loqué. Tout ce qu'on peut faire, c'est se rentrer dedans à la rigueur. Hop là, j'en ai défoncé un. Allez.
Je conduis très très mal, hein. Ça, ça a jamais changé. Je suis toujours aussi bon sur ce genre de jeu. Et the last lap. Et voilà, j'ai gagné mon level. Donc ça, nous avons un nouvel machin, blablabla, tu seras libre. Suivant. Et voilà, nous sommes en, on va dire, en open. On va pouvoir aller faire ce qu'on veut, je crois. Explorer dans n'importe quel ordre, je peux faire ce que je veux. Donc je vais commencer par lui. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que je découvre le jeu parce que je connais pas. Utiliser l'XP. Utiliser l'XP. Ah ok, d'accord. On va mettre dans l'agilité. Allez, tranquille. Et donc je vais faire celui-là, tiens. Good luck. Ouais. On va essayer, hein. Je sens que ça va être un truc de plus en plus dur, un truc comme ça. Allez, on s'en fout de l'histoire, on s'en balance. Alors, Vampire Mine, les mines coûtent un peu d'énergie, mais à poser, mais en rapport bien plus à l'explosion. Ça me rapporte de l'énergie de faire exploser des mines. À cause des sirènes, l'énergie du vaisseau est au minimum. Get ready. 3, 2, 1. Weapons activated. Ok, donc je pose des mines, ça me rapporte de l'énergie. J'ai perdu. Ah, je suis en train de découvrir en même temps que vous parce que c'est vraiment un truc de ouf ça. Allez, challenge. 3, 2, 1. Ah, j'aime pas du coup, c'est déjà un truc un peu compliqué puisqu'il faut déjà poser des mines. Donc j'ai toujours besoin d'énergie par contre. Alors je un petit peu en handicapé quand même. Ça me rapporte de l'énergie, ça c'est cool l'énergie. Congratulations. Ok, j'ai gagné, je sais pas comment j'ai fait, en tout cas j'ai... Il y a beaucoup de choses, par contre là ce que je pourrais critiquer sur ce niveau c'est qu'il y a eu... C'est qu'il y a eu beaucoup de choses à voir. Voilà, par contre, là j'ai de l'énergie par contre. Par contre, pas de weapon au début. Warning, pourquoi warning? Ah, c'est parce qu'il y a les carayous. C'est parce qu'il y a les cailloux. Oh là, c'est calme. Allez, c'est parti. Les weapons sont activés.
Hop, ça me rapporte de l'énergie de lâcher des mines, ça c'est bien ça. Bon, on n'a pas de truc qui recharge l'énergie, donc du coup il va falloir faire très attention à notre énergie. Par contre, je suis pas du tout premier, donc il va falloir que je me démerde à... Je me prends mes propres mines et ça c'est pas cool. Et je vois pas du tout où sont mes amis les animaux là, mes amos les ennemis, mes ennemis. This is the last lap. This is the last lap. Right. Oh, je l'ai right. Ouh, j'espère que je vais gagner, j'espère que je vais gagner. Oh non, j'ai pas gagné. Il me fallait la place. Bah, l'autre place, en fait, pas celle-là. Allez, on se la refait en dernière. Et si cette fois-ci j'y arrive pas, on arrêtera cette vidéo. Parce que le jeu, bah, c'est tout le temps ça, en fait. Il me manque juste le dernier item, mais je sais pas si je l'aurai un jour. En tout cas, j'ai wrapped l'autre, là, dans son cul. Je commence à commencer à maîtriser le, hein, le schmilblick. On va éviter de toucher les bords. C'est un peu comme un, c'est un peu comme un Docteur Maboule, quoi. Je suis un gros handicapé. J'ai du mal à lui foncer dedans en même temps que... je lui fais la course. Et donc je m'étonnerais que je gagne quoi que ce soit dans cette partie. Oh, je l'ai wrecked. Oh, je l'ai wrecked. Oh, le petit chien. Oh, je l'ai wrecked aussi. Il m'en reste un à dépasser. This is the last lap. Ah, il est déjà loin quand même, mon rival. Ça va être compliqué de le rattraper quand même. Ouais, mais en y mettant la bonne volonté, c'était pas possible. Et ben voilà, on va s'arrêter là sur cette vie, sur ce test. Alors, non, je veux pas. Je veux pas commencer la course. Bah, je suis obligé de la lancer pour l'arrêter. Voilà, même pas. Ok. Et ben, on va dire back pour abandon. Q. Oui. Putain, il fallait le savoir. Et select pour écran titre. Et voici, donc c'était
The Next Penelope Rise to Odysseus. Donc c'était sur PC, sur Steam il est disponible. On peut jouer à la manette, il vaut mieux. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé ce jeu, ben prenez-le, parce que ça vaut le coup, c'est vraiment arcade. C'est vraiment comme ça pouvait l'être avant. C'est pour ça qu'on a un mode classique. Et que c'est sympa. C'est juste, voilà, il faut pouvoir gérer plusieurs choses à la fois, les armes, l'accélération, ton énergie donc au passage, pour pouvoir doubler les autres, faire attention que si tu passes devant, bon, il te tue pas. Il y a beaucoup de choses à penser en même temps, et donc du coup c'est un peu compliqué, au moins pour ça. Sauf que là, sur le dernier niveau que j'ai fait, il n'y avait pas de truc qui rechargeait l'énergie, donc bon, bah voilà. Ton énergie, si tu le bouffes, ben voilà, t'es niqué. Puis il y avait les mines aussi qui rapportent de l'énergie, mais qui ont... Ben voilà, faut quand même que les autres se les prennent, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un nouveau jeu. Et ben, je vous dis, portez-vous bien. Salut !